Salut tout le monde, c'est Nana, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de notre replay sur Chrono Trigger. La dernière fois on était monté sur le mont Denadoro, je crois, ou Denodoro, pour trouver l'épée légendaire Grand Léon, qui est ici. Il y avait des gardiens qui semblaient être l'esprit de l'épée elle-même, avec Grand et Léon. Et nous les avons vaincus dans un combat de boss qui était, ma foi, pas facile, mais ça va, j'avais le niveau, je pense que j'avais largement le niveau. Et donc maintenant... l'épée... ils ont parlé aussi de se faire réparer. Cette épée est la légendaire Grand Léon, cependant elle est... ça doit faire longtemps qu'elle a été brisée. Tu obtiens la Grande Léon brisée. Oh la révélation! L'épée était brisée! Je vais vous faire porter jusqu'au pied de la montagne à l'aide du vent. Nous comptons sur vous. Ah carrément. Et hop sur la map. Bon. Maintenant que j'ai l'épée légendaire brisée entre les mains, qu'est-ce que je vais faire? Alors le mieux ce serait peut-être de retrouver le héros. Donc on va retourner au village là. Ou alors dans les auberges. Ah non, c'est vrai, lui il n'y a pas de truc, il faut aller à la taverne. Toujours des infos au bar là. T'as pas des infos? Ouais, ça on l'a déjà entendu. Ouais, je sais pas. Bon, on va lui payer à verre, peut-être un autre truc à nous dire. Oh merci, je prierai pour que votre voyage se déroule au mieux. J'ai réussi à découvrir ce que... je crois qu'on a déjà lu ça en fait. Ok, on l'a déjà lu. Toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouais, il nous a déjà dit ça. J'ai pas de... ah! Je suis désolé, cette médaille de héros, en vérité, c'est... c'est un homme à l'apparence de grenouille complètement bourré qu'il a laissé tomber à la taverne quand il est parti. Nani? Bon, la probabilité que le héros était un faux était quand même relativement non négligeable, mais quand même. Je pensais la vendre à bon prix, mais quand tout le monde a commencé à m'appeler le héros en ville, je ne pouvais plus revenir en arrière. Le père! Je ne suis pas à la hauteur. Non. Ah non, c'est pas le père qui parle. Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai rien d'héros légendaire. J'en ai assez de jouer cette comédie. Tenez, je vous donne cette médaille. En effet, je ne m'attendais pas à ça. En tant que père, j'ai si honte que les larmes viennent aux yeux. Donc c'est vrai, ce que je me disais, c'est le héros. Écoute-toi parler, tu étais bien content de raconter à toute la ville. Je suis celui qui a élevé le héros. Vous devez soutenir votre fils. En fait, je m'en veux de m'être laissé emporter par toute cette histoire de héros. Pour le bien de ma femme, qui n'est plus de ce monde, dorénavant, mon fils et moi garderons les pieds sur terre. Bien. Donc en fait, c'est notre chat grenouille. Kairou qui serait le héros légendaire. Donc faut qu'on aille la chercher alors. En espérant que je ne me fasse plus avoir par les mobs. Esquive en... date esquive. Bon allez Kairou, on sait que c'est toi le héros légendaire. C'est encore vous? Oh, cette médaille. Je vois. Vous avez donc rencontré cet avorton. Désolé. Mais je ne peux plus rien faire face à Mao.
L'épée légendaire Grande Léon est indispensable pour combattre Mao. Mais qu'importe. Même si je l'avais, je serais indigne de la porter. Ne pourriez-vous pas me laisser tranquille? Ce bout d'épée, c'est une partie de Grande Léon. Il y a une inscription gravée en hiéroglyphe ancien. Je vais essayer de décrypter. HCSOB. Ah, j'ai inversé l'ordre des lettres. Il est inscrit Bosch. Bosch, notre Bosch, celui du village de Médina. Que cela signifie-t-il, Chrono? Ok. Je sais pas c'est qui. Il n'existe personne dans ce monde qui puisse réparer Grande Léon. Ok, bah... Apparemment, si. Oups. Désolé, Nana du Turfu, je t'ai rajouté du travail. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça là, elles sont pas faciles à esquiver. Oh mon dieu. Ok, bon, cette fois, ça va le faire. Hein. Ok, alors. Ouh. Ça y est, il commence à nous faire des allers-retours. Ah là là. Que c'est qui Bosch? J'ai plus qu'à faire le village, je suppose que je suis à Médina là. Ah, ce serait pas toi. Ah, mais c'est qui Bosch? Qui ça peut bien être? Déjà, est-ce que c'est le village de Médina ici? Non, ça c'est Trucci. Alors, c'est quoi le village de Médina? Que ce serait ce village là? Non, ça c'est l'auberge d'Orino. Non, ça c'est pourri. Non. Médina, c'est où Médina? J'en ai aucune idée. Petite ellipse, le temps que je fasse une recherche vite fait sur internet. Ok, donc une petite recherche sur internet m'a permis de savoir que le village de Médina était en réalité le village des mystiques dans le présent. Ce qui a sans doute me valoir une autre ellipse. Ah là là. Bon, je suppose que je vais faire l'ellipse ici. Et voilà. Alors maintenant faut trouver Bosch. Est-ce que c'est toi? Comment se fait-il que vous pouvez utiliser la magie à cause de simples humains? Les mages humains ont pourtant disparu il y a des lustres. Pas faux, c'est parce qu'on a rencontré le jeu de la guerre, ça va. Ça roule. Alors, c'est qui Bosch? Est-ce que tu es Bosch? Il est pas sur la place. Je sais pas. Je sais pas, peut-être à l'auberge. Bonjour, tu connaîtrais pas un Bosch toi?
Ah mais non, attends. Est-ce que ce serait pas le vieux là? Oui, hutte de Bosch. Bosch! Oh, vous voilà. Vous voulez encore jeter un coup d'œil à ma collègue. Cette épée, c'est sans aucun doute Grande Léon. Où l'avez-vous trouvée? Pourquoi votre nom est gravé sur cette épée? C'est une longue histoire. Mais ce n'est pas pour me poser cette question que vous êtes venu me rendre visite, n'est-ce pas? Vous avez raison. Pouvez-vous la réparer? Ça pourrait être possible si vous mettez la main sur une pierre des rêves, un minerai dont est fait l'épée. Pierre des rêves, aucune pierre de ce nom n'a été enregistrée dans ma banque mémoire. Je doute que vous puissiez en trouver, c'était une pierre rouge brillante, autrefois plus précieuse que l'or. Mais c'était il y a très très longtemps, plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. Ah ah! Je sais où est-ce qu'on se dirige. Il y a fort fort longtemps? Ne me fais pas rire. Je sais. Alors, c'est quelle résidence? Pas celle-là. C'est celle-là, n'est-ce pas? Oui. Salut les mecs, je vous emprunte! Les mecs qui ont un putain de portail temporel dans leur putain d'armoire. Bon, s'ils disent que c'est il y a très longtemps, on va dire que le portail qui ramène le plus loin, c'est... celui-là. Est-ce que... tu dis que c'était il y a très longtemps? 65 millions d'années, ça va? Ça suffit? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qui sont-ils? À mi-chemin entre l'homme et le dinosaure, c'est pourtant une combinaison biologique impossible. Robot qui nous est très utile. Alors, on va essayer le physique. La magie. Non, j'ai dit la magie. Et robot, tu vas... faire une attaque de zone. Pourquoi prendre l'autre à terre? Quoi? Comment ça t'es endormi? Bon, Marle, viens moins-en, hein. Je suis sûr que tu peux le one-shot. Voilà. Robot, tu pouvais one-shot les 4 autres, ça serait génial. Non, mais un deuxième... Ah bah si. Merci, robot. Et vive les attaques de... Quoi, il y en a encore d'autres? Qu'allons-nous faire, Chrono? Qu'est-ce qu'elle est forte? L'aptitude de combat de cette femme dépasse de loin celle d'un être humain normal. Oh oh, pourquoi il nous regarde comme ça? Ok, on a débarrassé de certains, mais... Robot, tu vas nous en débarrasser vite fait, bien fait. Bon, par contre, ouais, pour optimiser, on va dire que je vais essayer de faire le plein de PV de MP au village. Voilà. Et encore un level. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Il vaut mieux ne pas la contrarier. Son état mental actuel semble être très agité. Tiens! Chrono! Tu dois être fort,
Non, toi, Edford, toi, t'appelais comment? Bah, Chrono. Chrono, hein, joli nom. Moi, être... Eira. Ok, Eira, c'est ultra dur à prononcer. J'aurais peut-être dû changer de nom. Eira. 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 En japonais, ça donnerait quoi? Eira, c'est un truc dans le genre. Je sais pas s'ils ont juste... Mille Romanji, mais ce serait sans doute Heila. Non, j'hésite un peu, on va dire. On va dire Eira. Eira, un truc dans le genre. Moi, Eira, moi, aimer un fort. Alors, Eira, aimer Chrono. Écarte-toi d'elle, Chrono. Vous êtes tous forts. Eira, aimer un fort. Et, enfin, forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est très intriguée par robot, hein. Toi être différent, mais toi être fort aussi. C'est parce que je suis différent de vous. Je suis un robot. Robot? Quoi être ça? Eira pas comprendre. Je suis une machine humanoïde créée par l'homme. Quoi dire? Toi, arrêtez de dire choses que Eira pas comprendre. Peut-être Eira devenir volcan. D'où Chrono venir? Comment pourrions-nous te l'expliquer? Il est impossible de lui expliquer de façon à ce qu'elle comprenne. C'est au-delà de sa compréhension. Nous venons d'un jour beaucoup, beaucoup plus lointain que demain. Ha ha ha! Vous êtes drôle! Eira aimez gens drôles! Vous venir village, festin de bienvenue, boire saké, danser, s'amuser. La proposition nous fait plaisir, mais nous sommes très occupés. Nous recherchons une pierre qui s'appelle la pierre des rêves. Pierre? Plein de pierres là-bas, ici dans le village aussi. Si vouloir pierre, Eira donner beaucoup de pierres. Vous venir village Yoka par ici. Chrono, suivre-moi. Ok, est-ce qu'il y a toujours les dinos? Ouais, est-ce que je peux les esquiver? Ah, j'ai réussi à esquiver ceux-là. Non. Encore une ellipse! Non, robot, il va nous sauver! Non! Je n'ai rien dit, robot! Est-ce que tu peux nous sauver encore une fois? Oui, robot, sauve-nous! One shot. Et il en a one shot qu'un. Peut-être dû essayer un cyclone, ça aurait fait une zone d'effet. Bon, on va juste attaquer. Petit cyclone pour toucher les deux. Et enfin un coup laser pour toucher tout le monde. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Non merci. Non merci aussi. Ouf, je suis sur la map. Et je pense que c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Et donc nous voilà, 65 millions d'années à la recherche de la pierre du rêve. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.